chez Barbara Palais, à l'UCCUM du jour aujourd'hui, du diocèse de Bathurst et du diocèse de Moncton. Ils vont vous faire un douane aujourd'hui. Si on dit, commencez là, c'est une vraie honte de médias qui vous décident. Oui, j'ai appelé Radio-Canada, j'ai appelé CHAU TV, j'ai appelé Radio-Canada, notre radio communautaire. De toute façon, on a filmé tout aujourd'hui. Oui. Sur Facebook, la soirée, s'il vous plaît, partagez. On va diviser ça par section, mais partagez, s'il vous plaît. J'arrive de prendre un petit passé samedi, puis je voulais finir parce que j'avais dit avant. Quand ça vient pour l'église, il dit toujours, tu fais attention à comment tu parles. Identifier les erreurs du processus de réconciliation à Valérie Viano, l'archevêque de Moncton, et celui de la route de l'excuse de la Cour suprême, Michel Massarache, pour réunir les victimes de Capelé lors de leur cour civile de Sambien. J'étais pour énumérer les frères, mais je n'ai pas obligé de garder ça. Pour votre information, les premières victimes de ces victimes passeront en cours au début de l'été prochain, 2020. Ça fait 8 ans qu'ils attendent pour rencontrer l'enfer qu'ils vivent depuis qu'ils sont jeunes, depuis que leurs âmes ont été tuées. Le groupe de Facebook, une seule victime de l'abus vous tient à informer du déroulement de cours civils et des criminels. Notre mission que tout processus de réconciliation du futur devra avoir. Notre participation dans le nouveau protocole du diocèse de Barreux et celle de Moncton. L'obstination d'une commission d'enquête publique sur la façon dont l'Église, l'ex-juge de la Cour suprême Michel Mastaraf, ont traité les victimes. Victime de trentaine de prêtres pédophiles différents, morts et vivants. Changement de la loi sur la protection de l'enfance pour ajouter le mot prêtre ou personne de conviction, tout comme les professionnels énumérés dans la loi de 1883. Changement de la délai de prescription pour tous les cas d'abus sexuels de 10 ans à aucun. Finalement, changer la limite de prescription pour la négligence des travailleurs sociaux qui est de 2 ans à 0. Je vous donne juste un exemple. Voici un exemple. Un enfant placé dans une famille d'accueil fut abusé de partir de 8 ans à 12 ans. Les travailleurs sociaux sont au courant et ne font rien. Le délai de prescription pour le recours légal est déchu. Cette victime, elle ne peut plus rien faire. Que va devenir cet enfant? Beaucoup de victimes sont heureux de voir enfin leur abuseur identifié. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit une victime de frère? Moi, j'ai toujours cru que j'étais tout seul. Puis les prêtres que je vais nommer ici, vous n'êtes pas tout seul. Voici donc ma liste de prêtres dont j'ai rencontré les victimes depuis le 8 mai 2008. Libby Noël était vivant lorsque j'ai fait connaissance des autres victimes. Charles Picot était vivant aussi. Jérôme Baudron, Almar Saint-Mont, Louis Gonzague-Gay, qui l'a vu vivant la source à Chaira, bel exemple pour nos enfants. Abel Violette, Fernand Albert était vivant dans le temps, Léon Landry, Livy Robichaud, Tom O'Connors, Aurel Godbout, Gérard Astou, Hervé Daigle, Arthur Gallien, Léon Gagnon, Albert Richard, Théophile Gagnon, Pierre Laporte, Capucin David Boudreau était vivant dans le temps, Aurel Laché, Edgar Godin, qui est devenu Monseigneur Edgar Godin, et le dernier que j'ai pas pu annoncer la semaine passée, Espantillon. Valérie Viano, j'espère que tu peux venir à l'écoute à un moment donné. Nommez les prêtres et les pédophiles du diocèse de Valérie
aucun qui se sont si bien cachés. Ils feront partout dans les autres pays dénoncent tous les préceptes. Identifier les dates et les paroisses où ils ont exercé et abusé nos enfants. Donner le nom de victimes en prêt, pédophile, et on veut avoir des recommandations de Michel Bastarache. Vous demandez pourquoi? Dites-nous si les recommandations du diocèse de Barreux sont les mêmes que celles du Moncton. Pourquoi autant de mystères? Quel motif justifie leur silence? On va commencer dans tout Ontario, puis j'aimerais un enfant aujourd'hui abusé de la province, un chicat. J'ai une petite bouteille rouge ici, après je vais perdre le doigt, et quelqu'un vous demande pourquoi je fais ça. Et moi je suis contre des abus, contre les enfants. Puis ceux qui ne sont pas aujourd'hui, l'autre jour, je me dis, il y a ici l'agression sexuelle, c'est confidentiel. Et anonyme. C'est le 395-3555, libère-toi. T'es pas tout seul. Moi, pour finir, comme j'ai dit, Facebook, passe dans le film que on m'a dit que les autres ont sorti à 6 à 7 à 9. Merci. L'autre dossier que je vais vous parler.